Vendredi 31 mai 2024, c'est dernier jour dans le mois de mai. Et c'est dernier jour de la semaine, là, côté nous présentons le programme ça. Cap sorti dans la capitale fédérale américaine, dans Washington DC, moi c'est Jean-Aubert Philippe. Dans le groupe Cap Domine Actualité, ancien président Donald Trump réagit après un jury jeune coupable pour 34 chefs d'accusation dans le premier procès criminel qui déroulé dans Manhattan, dans New York. L'armée israélienne tire en pile coup de mortier sur Gaza dans le moment soldat lio avancé dans centre-ville Rafah qui dans sud territoire. Et puis, autorité haïtienne demande population protéger tête pendant la saison cyclone qui a commencé samedi 1er juin 2024. Là. Voilà, c'est quelques points à développer dans le journal aujourd'hui. On a commencé d'abord dans New York. Côté, nous rappelons que, et un jury joint l'ancien président Donald Trump coupable de 34 chefs d'accusation pour un crime qu'il a commis, comme quoi, qu'il a falsifié documents pour cacher, un agent t'a payé, un avocat qui pour t'a caché, comme s'il t'a acheté silence, une dame qui est Stormy Daniel, qui semble être qu'on a fait avec elle, et avant l'élection 2016, yo. Donc, en réaction, ancien président, il était réagi après verdict là, Valérie Saint-Louis, comment ça y est? Toujours après que 11 membres jurés, à l'unanimité, te bail verdict côté que rejoint Donald Trump coupable de tous les 34 accusations criminelles après un jugement historique qui durait plus passé 8 mois devant tribunal pénal dans la cour Manhattan, New York. Ancien président a choisi bail une conférence pour la presse dans le building Trump Tower qui est derrière Donald devant plusieurs caméras médias locales et internationales qui étaient positionnées en dedans coup de yon building là. Dans le remarque, Trump a attaqué président Joe Biden sous politique immigration li, la politique fiscaliste sous affaire payer taxes avant que le te parler sous cas à lui-même. En gros, il te dit que procédé jugement est injuste. Entendez you extrait dans saleté dit mater. If they can do this to me, they can do this to anyone. Si vous avez fait ça pour moi, vous avez fait n'importe quoi ça. Mais le juge là te permet de entrer dans toute bagaille que moi t'ai jamais impliqué là-dedans. Le jugement lui-même était très injuste. Nous pas bien droit servir à expert élection noire dans aucune circonstance. Nous t'avons ça qui est arrivé dans quelques témoins par nous. Côté que vous t'avez littéralement crucifié. C'était un jugement truqué. Nous t'avons changé location côté jugement t'a fait là pour nous être capable de gagner un jugement juste. Nous pas de joindre lui. Nous t'avons changé juge là pour un juge qui pas de aucun conflit, évidemment, il n'y a pas de fait ça. Pas de personne qui jamais moins un bagaille comme ça. Pendant la conférence sur la presse ce matin, nous avons un petit garçon, Eric Trump, avec belle fille, Lara Trump, qui était venu camper ensemble avec lui. Mais nous pas très madame ni Melania Trump, qui fait silence lui-même depuis que Verdict l'a été baillé. Dehors, Budic Trump Tower, sous Fifth Avenue, dans Manhattan, plusieurs supporters Trump étaient rassemblés à drapeau, pancarte, képi dans tête. Pendant que sous l'autre bolaria, il y a quelques monde qui ont même été contre Donald Trump. Il a montré pancarte par eux avec photo de Donald Trump qui était venu en prison, qui était écrit coupable. La justice important parmi plusieurs autres pancartes à affiche. La police de New York était sous pied, barricade tout partout et puis hélicoptère qui t'a viré sous tête building Trump Tower. Nous apprenons que matin, la campagne Donald Trump a annoncé que l'ITGETAN a ramassé 34,8 millions de dollars comme donation que supporters ont bail après que verdict a été sorti. C'est plus passé l'argent que la campagne politique Trump a été rassemblée pendant deux mois janvier à février. Question que majorité monde a posé tête, c'est est-ce que ancien président pral nan prison? Dans l'histoire États-Unis, pas jamais gagné un ancien président ou soit candidat à la présidence qui jamais fait face à une condamnation criminelle ou soit fait face à la possibilité pour faire tant en prison. Et Trump, depuis longtemps, marché 10 sans preuve que 4 accusations que la justice a contre lui, c'est complot que le président démocrate Joe Biden a fait contre lui pour essayer d'empêcher de reprendre Maison Blanche. Là. Dans deux mois, Kevin Lyo, il a supposé faire premier débat à Joe Biden. Il a bien pour accepter formellement nomination Patia dans la Convention nationale républicaine qu'a fait dans l'État Milwaukee. Et Trump va l'obliger à retourner dans le tribunal là le 11 juillet prochain pour le prendre sentence. Il a fait face à une sanction pour le prendre une amende ou soit le cas en probation. Et peut-être il a pris jusqu'à 4 années dans prison. Dans ce moment-là, nous campons devant Building Trump Tower qui est dans là, mais matin, il n'y a pas de moyens pour circuler sur le trottoir. Et bon côté, là, nous jouons des fanatiques de Donald Trump qui a pensé et lancé des slogans pour ta passer dans le micro VOA Creole pendant que je fais reportage ça. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, depuis Manhattan, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Et en réaction, il y a un président Joe Biden, lui-même qui dépend de la parole jeudi à la Maison Blanche, et lui-même était critiqué et réaction président Trump sous procès ou bien sous verdict et jury au point contre ancien président. Nous pas Jean-Sandra Le Maire pour plus de détails.
Président Joe Biden critiquait Donald Trump que l'il décrit en cours irresponsable à téméraire. Biden t'a répondu déclaration ancien président républicain t'a prononcé matin dans hein, Trump Tower dans New York côté il était plein pour dire procès criminel là t'es truqué. Biden t'est parlé dans la Maison Blanche. The American principle that no one is above the law was reaffirmed. Nous réaffirmons le principe américain qui dit personne n'est pas pire au passé loi pays. Donald Trump a gagné toute opportunité pour défendre le procès à New York là, avec le procès fédéral là. Et un jury 12 citoyens t'écoutent. 12 Américains, 12 mouns qui t'en cours. Même gens à plusieurs millions d'Américains qui servent comme membre jury, ils ont choisi jury ça, même gens à tout le jury aux États-Unis. Pendant le procès, qui a gagné participation avocat Donald Trump, que le jury a étendu preuve pendant 5 semaines, et après délibération, a accompli le précaution, ils ont joint un consensus sur la décision. Ils ont joint Donald Trump coupable de 34 chefs accusations. Kounye a, Jean Sadoué fait, l'a bien opportunité d'aller en appel contre la décision. C'est comme ça le système judiciaire des États-Unis fonctionnait. Et les téméraires, dangereux et irresponsables pour les Mouchital dit pour certes truqués, tout simplement parce qu'ils n'ont pas aimé le résultat. Plusieurs politiciens publient un message sur réseau X, ancien Twitter, pour soit appuyer Trump ou bien battre bravo pour décision juria. Dans New York, Sheila Quinn de Reuters l'est satisfait. Je suis content pile parce que je crois qu'aucun monde n'a pas pu passer au pays. Et je crois que monde ça a joué un gros rôle dans démantibuler la démocratie noire. Donc je suis content avec la décision. Dans Miami, Maria Gonzalez, une infirmière retraitée, te prend la rue pour exprimer support pour l'ancien président. Il dit, moi là pour appuyer Trump. Moi, j'ai appuyé depuis qu'il était postulé pour président sa première fois et je vais continuer à appuyer parce que il change le pays. Il a amélioré. Kounye a une inflation bien haut, en pile corruption. Et puis, nous avons un touriste qui c'est mon et puis témoignage m'entendez bon même pression Julia t'a prêté en pile attention donc on peut nous louer respecter décision yo m'attend pour sentence y a bail monsieur. Juge Juan Merchan, qui était présidé pour cette Trump-là, fixé sentence-là pour 11 juillet, qui c'est quelques jours seulement avant le Parti républicain en supposé nommer Trump comme candidat à la présidence pour élection présidentielle 5 novembre. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Nous parlons dans Moyen-Orient, côté président Joe Biden, présentant un plan que lui croit capable de résoudre le conflit israélo-Hamas. Le président a parlé comme ça dans la Maison Blanche jeudi vendredi. Et set the stage for a political settlement that provides a better future for Israelis and Palestinians alike. Now, after intensive diplomacy, président Joe Biden qui t'a parlé vendredi 31 mai dans la Maison Blanche déclaré qu'il est pour une nouvelle étape commencée. Il est pour otage retourner la caillou. Pour Israël était un pays côté gain sécurité. Il est pour souffrance infinie. Il est pour guerre finie. L'idée américaine a mandé militants Hamas pour d'accord avec un nouveau cessez-le-feu Israël offrit pour libérer otage en échange pour un cessez-le-feu dans le territoire Gaza. D'après président, c'est meilleure façon pour diminuer conflit mortel ça. Proposition préparer terrain pour une entente politique qui offre un avenir meilleur pour Israéliens ensemble avec Palestiniens. Une proposition pour libérer otages dans le commencement de l'année et qui demande libération otages qui sont malades, vieillards, avec des décès dans le territoire Gaza, en échange pour un cessez-le-feu 6 semaines et qui est capable de prolonger pour permettre plus d'assistance humanitaire dans le territoire Gaza. Eh bien, proposition ça a été écrasée en milliers de morceaux dans le commencement de mai. Après, Israël a refusé d'accord pour mettre fin à la guerre et puis augmenter l'attaque dans la ville Rafah qui est dans le sud territoire Gaza. Il y a jeudi, un militant
Hamasio te déclaré par médiateur, li pas participer dans aucune négociation encore, tout autant Israël a continué opération militaire dans territoire, mais yo paraît pour un accord complet, y compris un échange otage avec prisonniers si Israël suspend guerre. Un officiel américain qui t'a parlé à condition non lipacité, déclaré conseiller sécurité nationale à la Maison Blanche, Jake Sullivan, rencontré jeudi vendredi avec diplomate 17 pays que Hamas kembe citoyen en otage dans le territoire Gaza. Dans notre programme de mini-actualité, on a toujours été dans Moyen-Orient. On parle de l'actualité qui a passé exactement. Les soldats israéliens continuent à attaquer ville Rafah, donc ils ont mené une opération qui est sous frontière Mexique-là. Pendant qu'ils ont entré dans le centre Rafah, nous voyons Jean-Jacques Bélizère qui a plus de détails pour nous sur question ci-là. Président Joe Biden qui quitte base militaire Dover dans Delaware à bord Air Force One pour retourner Washington, menacé pour le reconsidérer assistance États-Unis pour Israël si Zoka action liée continue à prendre l'autre dimension dans Rafah. Pendant ce temps, l'armée Israël a continué à mener opération éphraïque dans Rafah malgré toute voix qui levait à travers le monde pour condamner offensive Sayo qui continue à faire sang couler dans mitan population civile là. Témoin dit ouais gros la fumée qui montait dans sud Rafah à gros chat israélien qui entrait dans région dans Gaza qui là depuis 8 mois. Gen environ 1 million monde qui courir quitter Rafah. Israël pas campé malgré indignation qui fait au niveau international à cause offensive malouk qui arrive dimanche qui s'est passé là. Jeudi vendredi a David Messel qui c'est porte-parole gouvernement état hébreu a présenté un bilan opération Rafah qui là depuis 6-7 mai côté d'après lui plusieurs centaines de militants palestiniens dans Rafah déjà péri. We have already eliminated around 300 terrorists. Nous éliminé environ 300 terroristes dans Rafah pendant opération ça. Gain qui était caché en bataille, mais soldats nous yo dans un combat à courage, dans un garçon pas campé dans conditions difficiles. Eh ben nous mettez mes sou yo même si nous même tout nous perd du monde. L'armée Israël a dit commando yo joine lance-roquette Hamas, yo découvrir tunnel et yo joine zam tout. Pendant ce temps, assistance humanitaire dans Gaza a arrêté un gros caisse sauté pour Nations Unies et la communauté internationale là. Et ça qui pire de là, même assistance qui joue une autorisation, pas arrivé joindre civils d'après Jens Lecker, qui se porte-parole agence humanitaire Nations Unies en parlant de OCHA. Aid that is getting in is not... Assistance humanitaire, ça pas réussi à joindre population civile là, et ça, c'est un gros problème. Si vous voulez, nous besoin plus assistance. C'est pour toute partie respecter obligations légales, les tapions doit être sous Israël qui pas toujours respecté principe droit international. Dans la question ça que le tap répond journaliste là. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken reconnaît jeudi vendredi à situation humanitaire Gaza catastrophique et Israël pas gardé derrière malgré effort États-Unis a fourni pour plus assistance à joindre Gaza. Parallèlement, gagné levé campé qui continue à fête au niveau international, dans pays en Europe et même dans l'Amérique latine, et dans mitan gros artistes international pour mander yon fin dans guerre dans Gaza. Ici, Jacqueline Bélizère, VOA Creole. Actualité dans le pays d'Haïti, c'est le Premier ministre Gary Conny qui vient pour rentrer en Haïti pendant le week-end ça même. Eh bien, dans la première déclaration qu'il fait, il dit que la travaille avec parti qui est représentant dans le conseil et présidentiel et le conseil présidentiel transition hein, pour le capable former un gouvernement qui a bien représentant tout le monde, mais qui a bien participation tout secteur là-dedans. Pour le ministre là qui dit lui-même lui ouvert, il m'a dit et concours bien sûr pour tout le monde pour aider réussir et gouvernement ça que le parlement sous pied, il dit la respecter sa constitution dit à tout cap gain 30% femmes dans là-dedans. Pendant ce temps, ça va lui dire que population pas gain réaction tout sous et nomination ça ou bien sous présence et Gary Conny dans tête nouveau gouvernement en tant de ça et il était gain pour dire. Moi, je crois que Gary Conny a une responsabilité envers la nation parce qu'il doit servir un CP qui n'est pas élu par le peuple, qui a été posé
par la communauté internationale. Il a souhaité que ça délivre la chaîne de la seconde, mais on fait expérience à ça déjà. Pour moi, d'abord, nous l'autre, nous devons faire expérience avec nous. Il a regardé qui ça a fait. L'équipe est venue, qui joue à Tinoé, qui joue à Capitaine Souterre. On a assez bataille pour le bataille pour délivrer parce que nous sommes qui fait expérience, vous pensez. L'expérience internationale, plus que le premier ministre déjà, même les paquets de fonds plus tard. Depuis au bon moment, pour changer Haïti, pour changer, non seulement je vais vivre, et vivre ma vie, je vais vivre. Toute journée, écoute balle. Nous, pour la première fois, l'apparition CPA a fait un choix qui est en faveur du peuple. Docteur Gaye Conny, tout le monde connaît, c'est un citoyen qui est honnête. Qui baille tout lui-même pour le cas combattre la corruption dans le pays. Jean Tefel sous gouvernement Michel Matéria. On a du pain sur la planche. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et tout ce que je sais, c'est que les politiciens ont une tendance à s'enrichir presque chaque jour. Donc, ça, c'était réaction de quelques citoyens haïtiens qui ont réagi sous choix et Gaye Conny, docteur Gaye Conny. Qui, comme premier ministre, est capable pour lui former un gouvernement ensemble avec parti qui concerne les partis qui gagnent représentant dans le conseil présidentiel transition, hein, et donc, cap gagne pour fête dans ce cap vini là. Nous parlons toujours d'apprêter dans l'actualité dans le pays d'Haïti, côté ancien président Justin Privert, mandé communauté internationale à agir vite dans le cadre de GFOR pour déployer mission multinationale soutien sécurité en Haïti. Renan Toussaint pour plus de détails. Ancien président Joslem Privert dit c'est un impératif puisque force sécurité nationale a besoin en urgence support mission multinationale soutien à sécurité en Haïti pour capable rétablir la paix et stabilité dans le pays. Il est évident les forces nationales de sécurité, à elles seules, n'ont qu'à résoudre le problème de sécurité. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais raté une occasion pour me dire, dans telle situation, l'appui d'une assistance, mais une assistance internationale, pour aider les forces nationales de sécurité à rétablir cette sécurité indispensable à la relance des activités dans le pays est plus qu'indispensable. Malgré mission multinationale soutien à sécurité qui était prévue pour fin mois mai, reportée pour mois juin 2024, ancien président Privert était très optimiste que force a débarqué quand même en Haïti. Au moins, c'est des difficultés. Au moins, c'est des impondérables que toute action humaine est pour faire face avec eux. Mais ça n'enlève pas l'urgence de l'arrivée de cette force pour répondre à ça nous dit d'aller à là. Moi, je m'a comprends ni en tant qu'actif, en tant qu'action humaine. Toute initiative n'a pas, il y a des moments qu'on a accéléré, il y a des moments qu'on a ralenti, il y a des décisions qu'on a été capable dans les 24 heures, ou pas obligé de différer de 72 heures. Je ne vois aucune raison pour nous faire un plat que de 23 mai où il était dit que la force allait être déployée et que c'est reporté pour le mois. Bien pour moi, ça fait partie de toute initiative humaine. Pendant ce temps, la police haïtienne annonçait qu'elle travaille sérieusement pour capable rétablir l'ordre et sécurité sur toute étendue territoire national. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Et puis demain samedi 1er juin, c'est saison cyclone l'a commencé. Est-ce que Haïti paraît en arrosant avec Yves Manuel? À la veille ouverture officielle saison cyclonique, le Conseil présidentiel transition a inauguré une nouvelle salle qui a bien pour gérer crise dans la direction protection civile dans la commune Taba. Diverses personnalités participaient dans la cérémonie lancement, parmi eux, représentant direction protection civile, commandant en chef force l'armée d'Haïti et police nationale d'Haïtien, sans compter partenaires internationaux et divers acteurs qui impliquaient dans la gestion risque et catastrophe en d'un pays. Dans le discours circonstance, le président du conseil présidentiel, Edgar Leblanc-Fils, qui était accompagné du conseiller Leslie Voltaire et Frinel Joseph,
souligner responsabilité exécutif là dans protéger et puis assister population qui vivent dans zone à risque. Le Conseil présidentiel de transition est conscient de la menace à laquelle nous allons devoir faire face ensemble pour protéger et venir en aide aux compatriotes vivant dans un environnement très fragile et en proie à d'énormes difficultés. Avec le secrétariat permanent de gestion des risques de désastre, la Direction générale de la protection civile, nous sommes mobilisés. Nous allons rester en alerte durant toute la saison. Tout sera mis en œuvre en vue de répondre aux situations les plus urgentes pour protéger et assister la population durant cette difficile période. Président également exhorté population dans quatre coins dans pays pour être vigilant et suivre consigne autorité pendant toute saison cyclonique là. Haïti en quatre coins pays, femmes ou garçons, saison cyclone 2004 là capable malouk en pile d'après scientifiques dans domaine sayo, d'après ça scientifiques dans domaine sayo fait connait. Face à danger qui menace pays, qui menace bien nous avec la vie nous, nous devons prendre en pile précaution, porter en pile vigilance et puis préparer nous. Mobilisation ça inscrit dans 4G fort qui visait renforcer résilience communauté yo et améliorer capacité yo pour répondre à catastrophe naturelle là dans le pays d'Haïti. Samedi 1er juin a marqué début officiel saison cyclonique là jusqu'à 30 novembre. Saison annoncée très active. Parmi phénomènes yo spécialistes yo annoncé 12 ouragans parmi yo 5 majeurs. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. On suivi un petit conseil et là nous allons parler de l'élection au Mexique. Voilà, c'est dimanche qu'a venu là, par une élection générale au Mexique, côté gampil candidat, mais en principe, il y a 3 candidats qui sont dans la course là et parmi eux, il y a 2 filles. Et si ça t'a fait, disons que les sondages prévoient, eh bien, tendance électorale là, c'est pour la première fois qu'une fille pourra diriger au Mexique si l'électeur a choisi une de mesdames, Gentil Augustin Junior. Course pour poste président dans l'élection présidentielle Mexique de juin 2024 cap vini là, totalement dominé par des femmes, mais ça pas empêché que Jorge Álvarez Maynes, candidat centriste, seul garçon qui nan course là, fait mes campagne li pour élection présidentielle de juin, acti crash chance pour le gagner. Li fini campagne li a ak yon festival musique nan yon auditorium nan Mexico. Jamais pas gagnon jeune garçon encore en prison pour fumer boz. Jamais pas gagnon femme encore qui pral en prison parce qu'elle décide faire ça livler à propre col. D'après Maria Ose, étudiant droit dans Mexico, approche Maynes là très différent de l'autre candidat yo. Maynes gen yon nouveau approche pour gouvernement mexicain. Moi vle di tout parti politique yo, yo toujours même mouvement citoyen, parti Álvarez Maynes là gen nouveau l'idée, si porter en pile jeune que l'autre parti yo pas fait. Électeurs mexicains yo bloqué nan yon débat chauffé sous si oui ou non yo embrasser changement politique au soir kembe trajectoire actuelle là avant élection présidentielle historique qui gen pou dérouler dimanche 2 juin 2024 là. Nous espérons nada. Moi pas attendre rien, pas gen rien nouveau. Moi pas wè aucun monde qui vraiment gen yon proposition solide. C'est toujours même politicien yo ak salaire exagéré yo. Donc la vérité, c'est que personnellement, moi pas attendre rien dans mes gouvernement. Aranza Santisteban, 19 l'année, yon étudiant dans université te dit. Por lo menos a mí me ha tocado muchas veces que moi souvent tant de moun di pa ta dwe gen yon président femme parce que femme yo très émotionnel et c'est peut-être ça yo pas prend bon décision. C'est peut-être ça yo pas dwe intéressé dans politique. Et honnêtement, moi pas penser que ça a gen rien pour wè ak sexe. C'est peut-être ça moi penser que li très important que c'est yon femme qui élu et puis li ka montrer que li pas juste suivre instinct li.
Ça moi réellement espéré des gens qui viennent, c'est pour votre moyen ta respecté. Quel est pral valable? Et puis, si tout quel est pral porter yon changement. Mexique pral organiser dimanche des gens ça, pi gros élection dans l'histoire li. En plus élection présidentielle là, renouvellement parlement ak sénat, li pral élit tout 9 gouverneurs sous 32 états yo ak yon paquet élection locale. En total 99 millions électeurs enregistrés pendant l'élection yon sel toua. Gouvernement déjà annoncé déploiement 27 000 soldats ak mam garde national la pour assurer sécurité bureau vote yo dimanche. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil Augustin Junior et n'attend pour nous aussi qui gens électeurs pour la bulletin et pour qui est sa beauté très certainement pas connaît que Mexique a parce que le président actuel là Manuel López Obrador n'est pas éligible, n'est pas en élection même les partis il y a un candidat en élection. Nous parlons dans Miami côté nous parlons connaît ça qui a passé parmi vedettes et musiciens haïtiens avec Jude Onske. Stevenson, chéri Christopher, alias Stevie Boy, qui est un artiste solo qui spécialisé dans chanter musique rap, participé comme artiste invité dans le premier album groupe musical New Dorea. Artiste là a parlé nous de participation dans CD New Dorea. Vraiment, c'est tout en fierté pour moi, pour me sous album New Dorea, j'aime te dire d'ailleurs, à cause de la Joy, à cause de monsieur Sonek, m'kadim levé nan mel, son grand monde, son petit monde. Et puis, m'pense que Vlad là, Vlad ka vraiment témoigné que vers ça, moi écrit dans moins que 20 minutes. Yeah. Et que c'est énergie qui m'a mis vite comme ça, c'est pas même mon forcing même. C'est à force que ça m'a fait tellement naturel, ça m'a fait tellement sortir en dame, et nous sortir très vite, c'est pas chercher, marcher chez l'autre côté, c'est en dame, nous sortir depuis l'MPTI. L'amour était toujours là pour monsieur Sanoela et then l'amour vient sortir pour venir faire verse Sanoela son verse qui écrit à l'amour et bien à cœur et bien à talent tout me garder en dernier. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Reginald Bastien, alias Tirigi, ancien musicien Jacout No. 1, annoncé que lui pas monté podium encore pour performer à Diaz. Lui produit musique en studio avec quelques Diaz bien précis et lui fait administration et booking dans HM Island pour Mood Music Band, équipe, Beijing à Cadillac et deux trois autres encore. Je travaille ni pour équipe, je travaille ni pour Mood. Même dans staff management Mood, au contraire pour booking, c'est moi like pour booking pour Mood, like comme t'es qu'on fait pour Jacout tout. Ensuite, nous avons nouveaux amis qui ont été là. Ça fait un petit nouveau parce que monsieur fait venir. Toujours avec tout, c'est même gens tout, nous avons tout. Donc, so, pour le moment, c'est trois jazz qui sont là. Nous travaillons avec Kenny tout, qui ont un nouveau jazz tout, qui a présenté un mix pour lui tout. So, mais le principal objectif là, c'est studio. Nous connaissons un peu de monde qui a été sur stage. Ça, je connais. Je ne dis jamais. Parce que c'est bon, je ne sais pas décider. Mais, n'a pas régine ensemble toujours et puis l'avenir dira le reste. Nouvelle toujours sous vedette yo dans HM Island, musicien compositeur trompettiste Eddie Brisso t'es de passage dans Miami weekend passé dans cadre 20 signature album musique avec livre sous compas direct que li écrit. Artiste a été performé dans Pembroke Pines état Floride mais li pas satisfait de soirée. Gonti réticence c'est ça qui fait gonti sabotage. Même à ce m'a joué ici à chaque fois moun yo relé dans restaurant yo dit pas gen fête dans restaurant et puis t'es gen fête dans restaurant bon c'est mon petit bas haïtianerie mais quand même ça me t'ai envie porter mon âme t'ai envie porter un lot de mode de pensée à Mounio et Mounio t'es vraiment réceptif dans ce sens ça et c'est ça qui fait me content en principe t'ai envie jouer toujours jusqu'à présent m'tap jouer ou pas nous pas parler qu'on y a là. Merci tout le monde et bon week-end. Désir, comment est-ce qu'il y a et qui ça qui est dans l'oche puisque question de sécurité, question premier ministre, question conseil et bagaille en pile, comment est-ce qu'il y a frère? Ça qui est?
Mais c'est un content de rejoindre nous dans Mita Kalfoua pour nous parler vérité. Axami internaute qui tout partout à travers le monde, qui branche mes sacs nouvelles, Blaise Info, Point Nouvelle, Vente Calbas Info, Racine Nouvelle Haïti, tout simplement pour qu'on connaisse qui ça cap passé en dedans pays d'Haïti. Parce que dans tout dernier moment, yo, parler en pile, yo, pas petit, moun yo apte se connaît, qui ça gagne de tout parler qui a fait yo, eh bien, Gary Conny, après conseil présidentiel et transition, fin, désigné, fin choisi comme premier ministre, li parler. Nous pouvons permettre que les amis internautes qui tout partout, qui gardent captant de nous, connaît qui ça Gary Conny dit. Comment vous pouvez comprendre le choix que vous faites de lui pour venir servir le pays à notre transition, bien sûr, des sons. Tant que Jean était tout le temps à annoncer, sous ça qu'il y a avec question, vol American Airlines, eh bien, il a commencé dans la date 30 mai 2024 là, American Airlines reprend vol yo dans le pays d'Haïti, dans l'aéroport international, tout c'est l'ouverture. Et quant à, pour JetBlue, il a pratiquement planifié pour 5 juin qu'il vient là pour reprendre vol yo sous pays là. Des missionnaires américains qui étaient morts dans le pays d'Haïti, respectivement, dans l'ison, rivé définitivement aux États-Unis d'Amérique. Qui Jean, ensemble des planifications ont été faites, selon CNN, lui fait quoi, qu'il a parlé avec vite l'homme innocent. C'est vite l'homme innocent qui a fait contact, parce que la situation te paraît très difficile, pour te retrouver cadavre des missionnaires américains, c'est là-haut, qui ne songeait, qui t'a perdu la vie, dans le pays d'Haïti. Autorité, à travers le gouvernement américain, non, toujours été sous des pieds militaires, yo dit non, ça pas passé comme ça, faut que des américains, ça, yo, justice, yo. Blaise Fiteson. Dans ça qui concernait, ensemble, jeunes garçons, jeunes femmes, qui le conseil présidentiel, qui entend yo, presque chaque jour, pour faire temps passer. À part jeunes garçons, jeunes femmes, qui est-ce qui vient de garçons, jeunes femmes dans le métamu là? Façon de parler. Mon qui est plus jeune dans le conseil là, c'est Smith Augustin, ambassadeur, mais l'homme dit plus jeune. Il va dans 21, il va dans 31. Il dit que c'est dans la quarantaine. Après ça, regardez tout le reste, et le monde qui est dans l'âge, là, et le monde qui est dans la cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine, quatre-vingt, combien d'années, parce que. Très bien. Edgar Leblanc-Fils, président conseil et présidentiel transition, entend pour inaugurer un nouveau espace pour protection civile dans la capitale pays, pour préparer surtout les tout lancer saison cyclonique qui pourra gagner pour tomber dans le pays. Les situations, monsieur d'abord, que t'as ouais, côté quoi, bravo, fait. Parce que chaque fois, il y a une inondation, chaque fois, cyclone passé, et bien, monsieur, ouais, qui côté l'argent, bravo, fait. Parce que, ouais, déjà, à planifier pour faire l'argent, ma question fatra, en dedans, pays d'Haïti. Pendant peuple haïtien, tout partout, il y a pris tant de sécurité, parce que, ou pas, ouais, clair, ou pas comprendre. Ça, c'est donc, t'as décrit là, les situations, situation des jours en jour, la ville, quatre fois plus triste, et monsieur, dames, vivent ensemble, pas suspendre, fait moun, crier, dans niveau, capital pays. Yo kidnappé plusieurs moun, non, terminal qui alimentait gaz en dedans pays. Terminal Varoué. Terminal Varoué, qui la cause, terminal là, sans doute pas fonctionné, qui cause déjà bien raté gaz dans le niveau capital pays. À même genre, avec ville provinciaux, tout ça, il y a passé en bas, monde qui dit c'est autorité, qui n'a pouvoir, qu'il n'y a pas de personne, qui pas décidé pour jusqu'à présent prononcer au sous-sort qui a dû bail, bandit, catégoriser moun, tout partout, en dans pays, ya. Est-ce que, en tant que bandit, ou apmande, ya, yo pral arrivé, j'en ai tout bon vrai? Question waf, isoa, la pral poursuivre, malgré, gros bri question en fait, monsieur dame, yo qui nan conseil présidentiel là, pas pipé un mot sous ça, est-ce que c'est tant, y'a prétend, pour yo gen premier ministre, qui pral permettre, que yo parle sous question, pour yo rendre que la police l'immobilise. Pendant journée, 30 mai passé, ya, des situations, la police était mobilisée dans quatre coins, capitale, ainsi côté, yo t'a fait checkpoint. Donc, ensemble, espace côté au contrôle. Collaborateur nous des Ivenes avec lui nous qui ensemble hein madame aussi qui pratiquement la police a fait check sur yo et ben et heureusement pendant journée on t'a dit son journée qui bien passé dans check que la police fait yo yo pas jeune piège gibier bon côté miscardin li pas décidé camper vers personne youn nan neg team 103 zombio valé à naissance miscardin dit neg pas traverser département là neg pas traverser juridiction là pour al cacher l'on fin faire forfait nan mitan capital pays a les personne bon côté nous ensemble point ça pas de fait essentiel cal pour vérité a et gen divers militants qui déjà annoncé des mouvements des mobilisations qui montre yo déclaré hostilité yo contre conseil gouvernement et puis yo entend yo tout pour garder avec le premier ministre que yo choisi là conseil présidentiel transition yo dit c'est les États-Unis qui va faire des routes et c'est ça que Wilner et il y a un militant politique qui toujours dans la ria déclaré la situation yo déjà annoncé mouvement pour aller tomber dans la ria pour demander conseil présidentiel là lâchez moi que pour baiter la situation ça que m'a ajouté des Sivenes c'est que gagner
arrêté qui nommait Gary Conilan, les publié dans le journal officiel PA Le Moniteur. Ça veut dire que conseil présidentiel, yo prend engagement pour publier arrêté et puis procès verbal qui, bah, l'égalité, hein, avec Gary Conilan, qui reconnaît Gary Conilan comme premier expérient et qui pral, très bientôt là, on dit très bientôt, li pral mette campé gouvernement là et qui, bon, pral composé avec un ensemble de ministres et un ensemble de directeurs généraux pour aider le avancer et mettre en application, dis-moi, exécuter et accord politique 3 avril que le conseil président de cette transition, il était signé. En même temps, tout des Simonès, gagné et département d'État américain qui encourageait que PM Andy nommé, qui c'est Gary Conilan, et puis conseil président de cette transition, pour agir rapidement pour nommer un gouvernement crédible, responsable et inclusif. Et yon conseil électoral provisoire pour yon capable d'organiser élection libre, équitable et pour permettre que, et puis permettre que sécurité en un pays et service de base yon pour tout haïtien capable de commencer et prendre normalement selon ça qui dit bon côté et département d'État américain qui a commandé. M'a dit clair, mettez conseil en sous pied c'est yon, mais conseil a gain droit là. Si tout en, si pas gain sécurité, pas gain la paix établi en un pays pour que conseil capable lui-même commencer à mettre le travail, c'est comme quoi c'est un ensemble de monde, nous pral nommer là et nous pral déjà à payer pile l'argent pendant ce temps pour pas même commencer à bailler de résultats. Bon, c'est que je dis à société, hein, pour prendre ça très au sérieux par rapport avec ça qui en face de la comme Malépandier. Et nous, je dis, Malépandier pas l'autre que insécurité, hein, qui doit résoudre, je dis, hein, parce que je dis, hein, insécurité, hein, lycée Pigro Mac Fabrique. Peuple haïtien, insécurité, li c'est plus gros problème qu'a rongé société haïtienne. Et ça fait nous croire et demander avec chaque haïtien et chaque grain de monde mobilisation pour faire camper, garder comment yo pral capable river résoudre question, aider avec la police, aider avec conseil, aider avec équipe qui là pour garder comment yo capable résoudre question insécurité et permettre que la vie capable reprendre en notre pays. Des Evenes. Et en regardé, j'en dédié, hein, nous pourrons venir avec Gary Conilan, qui n'y même parlé, monsieur parlé, à travers une petite vidéo que lui fait, bon, bien que Gary Conilan, bah, pas mentir, bah, faut commencer à changer bah, son chef, oui, a dit là, il faut te faire bah, la pile de qualité. Et en même temps, tout désir, il y a un ancien ministre condition format de la femme qui en même temps tout, qui c'était un potentiel candidat, qui t'a déposé candidat, il, dans le conseil de la Marie-Denis Claude, qui lui-même, et vont l'être tout l'ouvri, by Gary Conilan. Bon, c'est que, nous allons venir avec l'être tout l'ouvri ça, et très bientôt, désir, pour nous capable faire débat sur lui. Désir. T'as l'air, gars, ou trois chaud, Gary, mon cher. Gary, ou trois chaud, Gary Conilan. N'a dit que, Pabli, Gary Conilan, je dis en là, après un pile critique qu'a fait de vous. Parce que, ou t'es passé comme premier ministre, bien que pas fait un pile temps sous président Matélian, ou après, jusqu'à présent, y'a râlé, si t'as été fait, hein, comme moment, qui estime que, y'a des bagages qu'on pas posé comme action. Mais là tout, Gary Conilan, je dis en là, même si conseil t'a échoué, ou dis-moi est-ce que si plus devant que conseil li t'a vu dans des situations difficiles, ou c'est moun qui pral rete pral mener bak peyi. Même je te fais avec Ariel Henry. Quelque je dis, et pas ça pe moun souhaite, bien que gen moun qui souhaite ça, et gen moun qui pas souhaite ça tout. Mais je dis, gen conseil présidentiel là, et gen ou même comme premier ministre qui pral mette gouvernement campé avant longtemps, qui pral mener bak peyi. OK, qui va mener bac pays, ça veut dire décision l'État et respect avec Sanrelé, droit à la sécurité, droit à la santé, droit avec si, droit avec ça, droit au logement, droit à l'éducation, tout droit à la manger, mais on peut mettre ensemble avec conseil là pour permettre que et peuple haïtien ajouter ensemble pour que ensemble de droits ça que nous permettre yo jouir et permettre que respecter. Je dis hein, en plus, mon dit, c'est pas mon job qui est au bord pour belle figue, parce que, ou c'est un grand intellectuel. Non, je dis ainsi que, c'est ou même que conseil, bien que, en plus, par le cap dit sous pression internationale, là, qui vient là, je dis à, ou gué obligation, ou gué impérieuse obligation, et c'est un impératif, Gary Conilan.
C'est un impératif à vous-même pour un résultat. C'est une obligation à vous-même, Gary Kouni, pour un résultat avec tout conseil. Parce que je vous dis que les Haïtiens, ils ne peuvent pas prendre une troisième transition. Ils ne peuvent pas prendre une troisième transition. Et ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de la paix. Ils ont besoin de toutes sortes de choses qui permettent que ils fonctionnent et ils vivent comme monde. Parce que je dis que les Haïtiens existent, mais ils ne peuvent pas vivre. Ils ont besoin de vivre. Il besoin à la fois exister et le besoin vivre. Et pour la vivre, pour que ensemble de conditions capables réunies et les ça, pour peuple haïtien capable lui-même connaître que la vivre dans coup peuple, la vivre dans coup monde. Et d'ailleurs, vous faites plus de temps à l'étranger. Ou est comment que grand pays qui est où présenté ou fonctionne à la neuve, ou est comment fonctionner, comment organiser. Nous pas dit que vous pouvez faire magie. Nous pas dit que vous avez baguette magique dans main. Mais là, ouais là, quand on entre tête ou là, tout conseil là, peuple haïtien paraît un pokan à toute fourmi pour nous. Quand on entre tête nous là, peuple haïtien paraît un pokan à toute fourmi pour nous. Qui donc, si que nous pas comprendre quand on entre là, tout dit que nous pas qu'à faire job ça. Parce que Ariel roulait, peuple haïtien, jusqu'à ce que il fait 32 mois, pas un comme résultat. Là, nous pas prendre ça. Nous pas prendre. C'est résultat de besoin, c'est sécurité, c'est la paix, c'est fonctionnement de besoin qui est engagé pour permettre que ça arrive et bail. Désir Venès, et on vient avec Gary Kouni, et puis, Marron, ça va toujours bagaille. Très bien. Et Blaise Peterson, ta cousin Gary Kouni, l'isil, il promet, il fait connaître que le conseil présidentiel là entend déjà dialoguer, discuter avec lui. Sous monde qui a pris quelqu'un pour choisir, qui pourra faire partie conseil présidentiel, qui pourra faire partie et gouvernement, il y a déjà ouais qui est-ce qui pourra dans le ministère, il y a déjà ouais qui est-ce qui pourra dans la direction générale, yo, pour yo entendre, elle fait quoi, il pourra choisir des jeunes garçons, des jeunes femmes qui pouvaient mener bas pays. Elle pas oublier, c'est des monde qui compétents, qui honnêtes, qui crédibles. Elle ajouté diaspora a pratiquement fait diaspora, partie. Diaspora, mesdames et puis jeunesse là. C'est ça que Gary Kouni fait quoi? Nous pouvons permettre que Mounio attende Gary Kouni qui pratiquement a adressé avec Nation les situations. Tendez tout ça Gary Kouni dit assez dans 9 minutes. Tendez-le. Parce que moi, je n'ai pas fait commenter pendant la parole. Hein? N'a pas quitté le film d'Andel et après ça, n'a pas fini avec commentaire. Tendez, prends ça nous pour nous tendre pour et enregistrer l'émission sur son côté et puis pour nous être plus devant de sa garité dit. Est-ce que le contredit ça le dit? Entendez Gary Kouni. Non, pas moi, c'est Gary Kouni. Et comme nous avons déjà connu, mardi passé, le Conseil présidentiel a demandé pour me faire un petit soutien à la transition comme Premier ministre. Moi, j'ai déjà dit que ce n'est pas pour décision de parler. Parce que tout le Conseil, ensemble avec l'organisation représentée, a organisé toute une série de réunions à différents candidats pour comprendre la vision du candidat. Pour assurer que le candidat comprenne le contexte politique pays. Et puis, pour surtout que le candidat s'aille pour le conformer avec l'accord quoi. Mais surtout, je devais assurer que nous devons choisir des bras non partisans, des bras honnêtes, gain expérience à qualification qui nécessaire, et puis déterminer pour travailler en partenariat avec le conseil pour sortir pays de la crise liée. C'est avec impression, le marqué des listes candidats qui ont gagné, nous avons que c'est avec un pile humilité que nous avons accepté. Et m'a tout profité de l'opportunité pour remercier chaque conseiller ensemble avec l'organisation qui a le mandat pour confiance que nous maintenant. Et moi engagé moi déjà pour travailler en collaboration serrée avec tout conseiller pour résoudre le problème urgent que le pays a gagné. Malgré gros défi qui a pris nous, moins que le pays se font gros pas. Nous, pour la première fois depuis plusieurs générations, groupe politique qui était adverse, qui était là depuis longtemps, qui était dans le Chine, et nous jouons nos gens, nous tombons d'accord sur une personnalité qui est indépendante, qui n'est pas partisan, qui a venu déconstruire pour nous capables de reconstruire la démocratie. On va profiter tout pour remercier Cochaco, Observatoire Jeunesse, RIN,
avec l'organisation de la programme qui était pour candidature devant le conseil. Je remercie toute notre organisation, société civile, personnalité politique, l'Église protestante, université, secteur vaudou, qui ont même tout spontanément supporté le projet. Moi, avoué avec un pile humilité que je ne vais pas accepter ça. Si je ne pas sentir que je n'ai pas de solidarité et je n'ai pas de organisation qui m'engage avec moi pour supporter la tâche et la responsabilité que je vais. Qui compte nous écouter et pour qui ça me fait si conversation ça me fait? La nouvelle sélection m'a arrivé, moi, j'étais Antigua, dans une conférence de 10 pays qui c'est il t'a fait gagner chef d'État, tout chef de gouvernement qui était réuni avec secrétaire général, avec toutes vos autorités Nations Unies. Le mot se voit nouvelle là, immédiatement me prenait disposition pour discontinuer participer.